cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, are. Ei, oh, ei. Oh, are, oh, ei, are, ei, oh, ei. Muito me salta à vista quando chegas reta e firme. Que pouco posso fazer para te fazer mudar. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura.
Bonjour et bienvenue au 15e sommet pour les parents bilingues pour l'État de l'Illinois. Je m'appelle Doreen Klein, je suis directrice du département multilingue du conseil scolaire du département d'éducation de l'Illinois. On est très heureux de vous accueillir, nous savons que vous avez des vies très affairées et je sais qu'on aimerait tous être ici en direct, mais heureusement qu'on a développé un sommet virtuel qui va vous soulever et vous affirmer en tant que parent loyal et que partenaire de nos efforts. Aujourd'hui, nous allons avoir des services d'interprétation en simultané pour toutes les sessions, y inclus pour cette présentation liminaire. Si vous voulez écouter mes commentaires dans d'autres langues, s'il vous plaît, passez par les étapes suivantes. Allez à Zoom, cherchez l'icône qui est en bas de l'écran, le globe, choisissez Interprétation et puis sélectionnez la langue que vous voulez écouter comme espagnol, polonais, mongol, arabe ou français. Toutes les sessions d'aujourd'hui dans toutes les langues respectives seront enregistrées et seront chargées sur la bibliothèque vidéo de l'Association des parents bilingues. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas écouter toutes les sessions, elles seront disponibles au cours des 2 semaines suivantes. Si vous avez besoin d'une certaine assistance après cette première session, cette salle de Zoom sera ouverte jusqu'à 13h pour répondre à vos questions. Vous faites partie d'un groupe incroyable de parents. Si nous étions ici, chacun directement, on pourrait s'applaudir et se féliciter à haute voix. Je vais faire quelques déclarations sur les personnes qui sont ici aujourd'hui. Si vous entendez quelque chose qui semble vous concerner et que vous voulez applaudir, vous pouvez applaudir virtuellement avec l'icône des applaudissements pour applaudir des mains virtuellement. Il y a des parents qui parlent la langue espagnole, d'autres parents qui sont arabophones. Nous avons des parents présents avec nous aujourd'hui qui s'expriment en polonais. Nous avons des parents qui parlent le français. Et nous avons même des parents qui parlent dans la langue mongole. Il y a des parents parmi nous qui viennent du sud de l'État de l'Illinois. Il y a des parents parmi nous qui viennent du centre de l'État. Nous avons des parents du nord de l'État de l'Illinois. Il y a des parents qui nous rejoignent depuis la ville de Chicago. Des parents qui viennent des banlieues. Des parents des zones rurales. Il y a des parents qui passent par ce sommet des parents bilingues pour la toute première fois. Il y a des parents qui nous ont déjà rejoints dans le passé. Nous avons des parents qui font partie des BIPAC, des associations de conseils de parents bilingues, ou des parents qui font partie des PTA, des PTO, des associations des parents et des enseignants, des parents qui font partie des conseils scolaires locaux. Il y a des parents qui ne font pas partie de ces groupes, mais qui peut-être aimeraient les rejoindre. Nous avons aussi des administrateurs et des enseignants parmi nous aujourd'hui. Nous sommes tous ici réunis dans l'objectif conjoint d'élever des élèves bilingues, bilettrés, qui vont connaître la réussite et changer le monde. Nous avons
un groupe d'intervenants magnifiques et des sessions passionnantes organisées pour vous aujourd'hui. Certains des sujets traitent la santé mentale, l'engagement de la famille et des communautés, soutenir les réalisations scolaires de vos parents, le parentage en puissance, comment construire le règne de votre enfant et faire le plaidoyer pour votre enfant auprès des écoles. Beaucoup de sujets. Alors, préparez-vous pour des défis, pour des moments très intéressants et inspirants. En ce moment, j'ai l'honneur et le privilège de présenter le président Darren Risberg, qui est donc le président du conseil scolaire de l'Illinois, qui va partager quelques mots de présentation avec nous. Merci à vous et aussi au département scolaire de l'État de l'Illinois pour avoir organisé le 15e sommet des parents bilingues. C'est magnifique d'être de retour après le congé imposé par la COVID-19. Merci à tous les parents d'être avec nous aujourd'hui. Le fait que vous êtes ici aujourd'hui, un samedi, démontre clairement que vous êtes très dédié à la scolarisation de votre enfant. Vous savez comment on peut savoir ce qui va être un déterminant pour les parents. Pour les élèves, ce n'est pas le prestige de l'école, ce n'est pas vos antécédents ethniques, etc. Ce qui prédit le succès scolaire, c'est les parents à la maison qui encouragent les enfants et qui s'impliquent dans leur éducation. En plus des notes plus élevées, l'implication des parents renforce les écoles parce que c'est un partenariat pour élever les enfants. Vous êtes les premiers enseignants de l'enfant, vous savez ce dont ils ont besoin et vous savez s'ils ont le soutien nécessaire pour réaliser leurs rêves. Donc je vous encourage d'utiliser votre voix pour faire la différence et améliorer l'école de vos enfants. L'implication des parents peut prendre des formes très différentes, en dehors et à l'extérieur des salles de classe. Vous n'avez pas besoin de vous porter volontaire et bénévole pendant des centaines d'heures, même si vous êtes bénévole pendant quelques heures par an. Tout compte. Vous pouvez aider pour les devoirs, vous pouvez faire partie du conseil bilingue, des parents bilingues. Vous pouvez rejoindre le PTA, vous pouvez faire partie du conseil scolaire de votre localité et on a besoin de vos voix plus que jamais. Beaucoup de vos enfants font l'apprentissage à distance cette année. Donc, vous étiez en premier rang de l'éducation de votre enfant et comment la pandémie a eu un impact sur eux. Le gouvernement fédéral a loué 7,8 milliards, je dis bien milliards de dollars, pour les fonds de soutien pour les écoles de l'Illinois. Dans le conseil scolaire, nous avons émis un guide, une ressource scolaire pour cet engagement, parce que le moment parfait pour avoir un impact sur votre conseil scolaire, sur comment ils vont dépenser ces dollars fédéraux, pour l'éducation de votre enfant. Il y a 12 districts scolaires qui vont entretenir un dialogue sur la dépense de ce budget. Ces stratégies incluent des idées comme donc l'été, l'école d'été pour le soutien émotionnel et éducatif aux enfants. C'est une opportunité pour les parents de donner leur retour. Les conseils scolaires veulent des retours sur leur plan scolaire. Donc, vos voix sont très importantes pour pouvoir réaliser ces fins. Je veux partager quelques avances sur les apprenants d'anglais. Le mois dernier, le conseil scolaire a approuvé le programme de Spanish Language Arts, donc l'enseignement de l'espagnol, de l'espagnol tout en espagnol pour tous les enfants dès la maternelle jusqu'au cinquième. Vous pouvez parler, entretenir un dialogue sur ces normes. L'évaluation de l'espagnol ne va pas seulement rendre plus équitable notre système scolaire, mais va donner une image plus exacte de comment nos apprenants sont en train d'apprendre, comment les écoles subviennent à leurs besoins.
Maintenant, les parents peuvent demander un interprète pour les réunions AIP, pour assurer que toutes les familles ont l'accès aux informations dont ils ont besoin pour faire le plaidoyer, pour défendre leurs enfants et être un plein partenaire aux côtés de l'enseignement, aux enseignants de leurs enfants. C'est un vrai avance pour l'équité pour les enfants et nous allons continuer de lutter pour le succès. Merci encore une fois d'avoir rejoint le 15e sommet des parents bilingues. J'espère que vous allez apprendre des leçons très importantes pour vous autonomiser et pour être un meilleur défendeur de l'éducation de votre enfant. Nous avons besoin de vous, je le dis encore une fois. Joanne, je vous repasse la parole. Merci, le président Risper. Après, nous sommes très important d'écouter Clarisol Duquet. C'est l'adjoint au sénateur Richard Durbin, sénateur des États-Unis. Dans ce rôle, elle dessert le district nord de Chicago, de plus de 8 millions de personnes. Merci. Je m'appelle Clarisol Duquet. C'est un honneur d'être avec vous, avec les familles de l'Illinois, en représentation du sénateur Richard Durbin, qui est votre sénateur américain. Et les familles de l'Illinois ont subi toute la charge de cette pandémie, tout le poids. Et vous êtes chez vous pour ralentir la propagation. Vous avez fait l'apprentissage en ligne avec leurs camarades de classe, leurs enseignants. Et vous avez pris soin aussi des personnes les plus vulnérables au virus. Je veux sincèrement remercier tout le monde pour tous les sacrifices que vous avez faits pour prendre soin de vos familles et puis pour prendre soin des autres dans vos communautés. Je veux prendre quelques minutes aussi ce matin pour parler de l'initiative American Rescue Plan du président Biden et de m'entretenir avec vous du plan de relance et de parler aussi de la réforme de l'immigration au sein du Sénat des États-Unis. Le sénateur Durbin a été un des promoteurs de ce plan de Biden qui a donné de l'effectif en dollars aux familles et des crédits d'impôt. Ce plan est destiné à diviser en moitié la pauvreté enfantine parmi les enfants des États-Unis. Ce plan le plus ambitieux pour réduire la pauvreté des enfants passe par le crédit d'impôt. On pense qu'il va réduire cette pauvreté par un taux de 40%. Il améliore la disponibilité de ces impôts, de ces crédits, pour que plus de familles puissent atteindre l'aide dont ils ont besoin. Les familles qui ont des enfants de moins de 6 ans peuvent maintenant recevoir jusqu'à 3 600 $ par enfant et des familles qui ont des enfants entre l'âge de 6 et 17 ans peuvent recevoir jusqu'à 3 000 $ par enfant en 2021. C'est aussi un crédit qui est complètement même s'ils n'ont pas, ne doivent pas des taxes, les paiements en avance d'expansion de crédit vont être donnés au mois de juillet. Donc, les familles n'ont pas à attendre à l'année prochaine pour recevoir ce crédit. À l'Illinois, le crédit d'enfant va avoir un bienfait de 2,5 millions d'enfants et aider 338 000 enfants plus proche au niveau de limite de pauvreté. Les paiements en avance de l'expansion de crédit vont être basés sur les taxes 2020-2021. Le IRS va encourager les familles de rentrer leurs impôts autant que possible. La date limite, c'est le 17 mai, donc c'est le lundi prochain pour rentrer vos taxes de l'année 2020. IRS va vous donner plus d'informations, mais à ce moment-ci, si vous êtes éligible, la seule action que vous avez besoin de prendre pour recevoir le crédit d'enfant, c'est d'envoyer vos taxes 2020 si vous ne l'avez pas déjà fait.
même si vous n'avez pas normalement envoyé vos papiers et que vous devez des taxes, c'est important que vous puissiez envoyer vos papiers à l'IRS pour qu'elle puisse avoir l'information pour déterminer si vous êtes éligible pour le crédit ou non. Ce crédit d'impôt va donner un support aux familles d'Illinois avec les enfants. Maintenant, je vais passer quelques minutes pour vous parler, vous donner un survol, une mise à jour sur l'immigration, les négociations au Sénat. Possiblement, vous savez que le sénateur Durbin a un long engagement à la réforme d'immigration, mais cette année, avec l'élection de président Biden, nous savons que jour 1, président Biden a pris des actions pour fortifier DACA. Pour prendre mettre la fin à l'immigration des musulmans, pour donner au Congrès un chemin pour la citoyenneté pour 11 millions de personnes sans documents, pour réparer cette situation de problème d'immigration. Nous savons qu'au Sénat, on doit négocier une réforme de l'immigration et en tant que présidente du comité Senator Durbin, est vraiment concerné pour tous les aspects d'immigration, les rêveurs, les TPS, récipients, les travailleurs de ferme, les travailleurs essentiels, les cartes vertes pour les familles et l'immigration qui sont pris dans des longues listes d'attente. Donc, nous regardons tous les aspects de l'immigration, mais en ce moment, Senator Durbin travaille pour passer la législation pour réparer ce système d'immigration et donner le plus aux gens, le plus de possibilités d'arriver à l'immigration légalement, mais ça a été 30 ans depuis la dernière fois que le Congrès a pris une réforme complète, donc c'est trop long. Je voudrais mettre le focus maintenant sur les lois dont on parle présentement. Nous avons reçu au Sénat trois propositions de loi des maisons des représentants. Les représentants ont passé HR6, la combinaison d'un chemin vers la citoyenneté aux jeunes immigrants qui sont souvent considérés des « dreamers », à rêveurs, pour un chemin pour la citoyenneté pour ceux qui ont le TPS, le statut TPS. Et en plus, la modernisation de l'action des fermiers, ensemble, on croit que ça va être un beau départ pour donner un chemin pour probablement 2 millions de rêveurs, dreamers, 400 000 récipients de TPS et 1 million de travailleurs sur les fermes. Ce serait vraiment très important pour la réforme et c'est ce que nous croyons être le bon début pour l'approche pour éventuellement passer des réformes d'immigration pour les 11 millions de personnes dans notre pays qui n'ont pas présentement un chemin pour la citoyenneté. Et donc, avec ça, je veux remercier. Je suis heureuse de donner d'autres informations, heureuse de vous passer ça au conseil scolaire d'Illinois, mais merci de m'avoir reçu ici ce matin. J'espère pour vous d'avoir vraiment un bon sommet et merci pour tous les sacrifices que vous avez pris cette année durant la pandémie. Merci, Mme Guquet. On apprécie ton service à nos enfants et à l'Illinois. Notre invité spécial, M. Habib Quatri, est première génération américain qui a grandi au nord de Chicago et est allé à l'école publique de Chicago. Il est un éducateur, auteur et défendeur. Il a été en éducation depuis plus de 20 ans en tant qu'enseignant principal et surintendant de MCC Academy à Aou. M. Quatri a reçu le prix du meilleur qui est ensuite suivi par le village de Morton Ridge et Skokie pour lui donner le Habib Quatri Dre en octobre. Il est maintenant au cœur de l'université de Harvard, le principal
où il est un travailleur à temps partiel dans les programmes de développement professionnel. M. Quadri est chairman, président de les écoles publiques, qui est au-delà de 2000 écoles privées. En outre, son travail d'enseignant et ses tâches administratives au sein des écoles publiques et privées, M. Habib a donné plus de 1000 conférences aux États-Unis et dans plusieurs pays étrangers sur le thème de leadership et d'éducation de la jeunesse. En 2006, il a fondé High Quality Educational Consulting, une société de conseil en immigration à partir de laquelle il a organisé des ateliers pour le département d'État des États-Unis ainsi que pour de nombreuses écoles universitaires, locales, nationales, internationales, notamment des pays Kenya, Singapour, Pakistan, le Canada, le Qatar et bien d'autres encore. En reconnaissance à l'ensemble de ses travaux pour la communauté musulmane, il s'est également vu discerner le prix de la réussite éducative de la vie, Legitimate Educational Achievement Award, par la Société islamique américaine du Nord. Il a également co-écrit 5 ouvrages sur les articles de jeunesse, éducation parentale et l'enseignement. Accueillez avec moi M. Habib Audrey. Bonjour tout le monde, merci. Bonjour, hola, konnichiwa, et toute autre langue ici. J'essaie de tous les écrire parce que la prononciation ne serait pas si facile, mais je veux tous vous remercier, surtout le ISBE, de m'avoir donné cette opportunité, le Centre de ressources d'Illinois, le sommet bilingue, et vous, les parents qui prenez le temps ici aujourd'hui pour avoir plus d'informations, que nous puissions vraiment avoir un bon partenariat avec les écoles, donc de tous les éducateurs. Bravo à vous tous de prendre votre samedi, de dire, vous savez quoi, je vais faire un Zoom ici, et on le sait, j'aimerais vous voir en personne, en direct, et les présentations, les danses, et le linge, et les belles allocutions, mais c'est ce que c'est, et on va devoir faire ce qu'on peut ici, mais on va continuer à prier que le COVID va nous quitter tranquillement. Mais je veux remercier tout le monde qui prend l'opportunité. Et aujourd'hui, je veux mettre le focus sur l'importance des parents et les relations avec les parents et les écoles. Et d'étant un éducateur, mais aussi la première génération d'étudiants et un ESL étudiant, vous allez voir mon histoire aujourd'hui, comment c'est important. Vous êtes tous, tous les parties prenantes ensemble. Donc, premièrement, qui suis-je? OK, première génération musulman américain de première génération. Dans les années 60, mon père est arrivé de l'Inde, a pris un autobus de New Delhi, a pris un bateau à l'Angleterre, de l'Angleterre, a pris un bateau à New York. Je sais que c'est l'histoire Ellis Island, mais c'est vrai. Et dans les années 60, il a pris un autobus à Oklahoma, encore Oklahoma, avec 100 $ en poche. Et son père a dit, tu sais quoi, tu vas aller être la première personne d'aller au collège. Ils l'ont envoyé. Même en Inde, ils n'ont pas été au collège. Donc, du collège, maintenant, ils vont aller à l'école ici. On va t'envoyer en Amérique. Et il voulait Stillwater, Oklahoma, où il a réalisé que, hey, il ne pouvait pas aller dans les restaurants. C'était dur d'avoir une coupe de cheveux. Il ne pouvait pas avoir un emploi. Donc, après les classes, l'été, il allait à Chicago pour avoir faire un peu d'argent pour qu'il puisse payer pour le collège. Mais après un an, il a réalisé que c'était vraiment difficile. Stillwater, Oklahoma, est allé à Kansas et il a eu sa bachelier en ingénierie. Mais étant immigrant dans les années 60, ça lui a pris 6 ans d'avoir son premier emploi. Donc, pour moi, 2 ans, ma mère et ma sœur, j'étais pas né encore, il les a envoyés en aide jusqu'à ce qu'ils puissent être plus confortables. Mais ils sont revenus en 68. Et en 68, on vivait dans les maisons publiques pendant quelques ans. Et à partir de cela, ils ont trouvé un emploi dans la ville de Chicago en tant qu'ingénieur, construit les ponts que vous voyez maintenant, en fait, au centre-ville. Pendant 30 ans, il n'a pas quitté ce travail parce qu'il était inquiet que s'il quittait cet emploi, il perdrait son emploi. Donc, il a demeuré là où il était. Donc, je vous le dis parce que je sais que ceux qui sont concernés, vous êtes nouveaux, ne veulent pas prendre le risque de ses chances, mais mon père a réalisé qu'il a pris des chances, mais il a pris des chances
pour qu'ils puissent avoir une réussite et rendre ma vie plus facile et faire ce que vous, les parents et vous, les éducateurs ici, sont en train de faire, c'est d'amener nous tous ensemble pour avoir du travail et pour avoir du succès avec ses enfants. Donc, étant un étudiant dans le système public de Chicago, ESL, étudiant pendant de la maternelle, de première année, deuxième année, troisième année, tranquillement, une transition du ESL. Et Mme Sony, je ne sais pas si elle est encore là. J'essaie de la contacter, mais que Dieu la bénisse en ayant cette relation avec ma mère qui avait seulement une éducation secondaire, qui avait un anglais limité, mais elle croyait dans l'éducation. Mon père croyait dans l'éducation. Et il a stressé que ça, c'est très important et ça a joué un grand rôle pour la communication avec ma mère, lui dire comment que le ESL était un bienfait. Pardon, le son semble coupé. Un instant. OK, étant fier de qui vous êtes, et ça, c'est vraiment important. Parce que ma mère a dit, OK, est-ce que je devrais pas parler dans ma langue maternelle? Est-ce que c'est mieux de pas parler urdu, juste parler anglais? Elle a dit non. Soyez fiers de votre langue, parlez à la maison votre langue maternelle, mais en même temps, assurez-vous qu'il y a des moments pour construire l'académie et de s'assurer que ça soit vraiment important pour toi. Et dans le système de mentorat de jeunesse active communautaire, il y a des choses que j'ai apprises. Comment partager avec d'autres? Comment être un défenseur de ma communauté, de mon ethnicité, même de ma foi? Et ça, ça a joué un grand rôle sur l'académique et les programmes après l'école. On joue un grand rôle aussi, dont on va parler bientôt. Maintenant, pourquoi j'amène tout ça, mon arrière-plan ici? Parce que je veux que vous puissiez réaliser, nous tous, on ne devrait pas limiter nos attentes sur nos enfants. Oui, j'ai commencé comme un étudiant ESL. Oui, mon père a eu des difficultés à lutter. On vivait dans les maisons publiques. Mais je veux que vous puissiez savoir les succès à cause de nos enseignants et tous ces parties prenantes. D'avoir l'opportunité d'être ici sur ce comité. J'étais le premier Indien musulman à être là, où j'étais le premier. Mon père avait gagné ce prix, donc on ne pourrait jamais savoir qui est cette personne spéciale. Pourquoi pour moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vos enfants? Pourquoi pas vous en tant qu'individu? Et je veux qu'on puisse réaliser ensemble que les ressources que la ISE et de maximiser et de construire cette relation, on devient des défenseurs de travailler en tant que partenariat. Nous voyons le succès. Même la coalition qui est là depuis 50 ans, j'étais le premier minorité ethnique. Et, je ne veux pas me vanter, mais je veux vous montrer ce que vous, les parents, les enseignants, les écoles, les districts, ce qu'ils ont fait pour que ce soit facile pour moi d'avoir du succès. Et ce succès est à cause de tous les autres. Donc, quand je partage, ce n'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de vous tous, pour ce que vous avez réussi de rendre ça un succès. Donc, je voulais parler un petit peu maintenant que vous avez mon arrière-plan un peu. Bon, quelles sont les choses que nous avons, les défis? Donc, je veux parler aux éducateurs. Je veux parler aussi aux parents et de parler un petit peu de mes expériences et quelles sont les choses qu'on pourrait tous apprendre. Parce que l'idée, pourquoi répéter ces choses encore une fois? Donc, une des grandes choses en tant qu'immigrant, les immigrants ne devraient pas être mis à part. Donc, en tant qu'enfant dans les années 70, et vous allez voir que les défis que l'école où je suis allé, c'était la première fois où ils commençaient à rentrer les étudiants à cette école en particulier. Donc, il y avait beaucoup de discrimination. Et je veux clarifier ça pour vous. Je ne veux pas avoir une conversation, mais en Amérique, je crois qu'il y a beaucoup de vous, il y a beaucoup de bonnes personnes. Donc, par exemple, vous prenez en compte le racisme, mais même dans nos propres cultures, nos ethnicités, on a des formes de discrimination. Ça peut être des préjudices, des sentiments d'hostilité contre une personne, contre un groupe. Ça pourrait être mais aussi des stéréotypes. Aussi des membres d'un groupe, des stéréotypes, des caractéristiques négatives qu'on porterait sur un groupe.
ou le profilage racial pour des raisons de sécurité, de protection qui dépendent des stéréotypes sur la race, sur la couleur, sur l'ethnicité, sur les lieux d'origine, etc. Donc peut-être que vous avez... C'est comme ça qu'on vous a élevé, c'est ce que vous avez vu le soir dans les actualités. Mais pour combattre contre la discrimination, il faut interagir. Il ne suffit pas de lire un livre, de voir un documentaire. Ce n'est pas une question d'inviter un intervenant. Mais quand on passe par l'interaction, par l'échange, c'est le meilleur apprentissage. C'est pour ça, en tant que parent américain, c'est important de s'impliquer dans les districts scolaires. Parce que comme ça, les parents vous voient, ils comprennent votre histoire, vos antécédents, ils savent par quoi vous passez, vos besoins, vos nécessités. Et là, le district scolaire peut vous aider. Quand les enseignants vous connaissent, quand les autres parents vous connaissent, les centres communautaires vous connaissent, les administrateurs, là, ils vont se sentir plus à l'aise et vont vouloir s'impliquer dans votre école. Quand vous vous entendez bien, quand vous parlez, quand vous prenez cette première initiative, ça change tout. Quand on arrive pour la première fois, bien sûr qu'on va se démarquer. Dans les années 70, ma façon de me vestir me démarquait des autres étudiants. Ma mère me promenait dans le quartier avec son sari, son écharpe. Parfois, mon père portait un costume, mais parfois, il portait les vêtements traditionnels indiens. Et les autres enfants disaient, mais ton père porte une robe, qu'est-ce qu'il fait? Et je me sentais un peu honteux. Je demandais à mes parents pourquoi ils s'habillaient de cette sorte. Parfois... je voulais être un cow-boy et parfois je portais mon costume, parfois je portais le costume indien, parfois le costume religieux. Donc, quand on est jeune, on n'apprécie pas tellement. On pense qu'on est visé, que tout est centré sur soi. Et c'est normal parce qu'on est unique. Mais en tant qu'école, il faut se rendre compte que c'est des choses qu'il faut célébrer. Il faut se réjouir de ces différences. Et les éducateurs nous regardent, et regardent les communautés pour savoir qui se joint à cette communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence? Même si je suis dans une école privée, qui est une école confessionnelle de culte, mais on a 46 pays tout de même. Les enseignants, les employés viennent de 25 pays différents. J'ai quitté l'école publique de Chicago, où il y avait beaucoup de diversité. Mais dans mon école confessionnelle, où il y a 46 pays, bien sûr qu'il y a des personnalités, des arômes différents. Je voulais partager, on parlait plus tard, mais je voulais partager un peu mon parcours. Le langage, l'accès est très important. Et les parents doivent être fiers de leur manière de parler. Donc, s'il y a dans le texte scolaire des programmes pour apprendre l'anglais, comme ma mère en a profité, c'est très important. Mais nous, les éducateurs, les enseignants, ma mère, donc, avec son accent, était un peu en proie aux farces des autres étudiants. Ça les faisait rire. Mais il faut l'accepter, il faut savoir que c'est quelque chose qui est acceptable. Après, il y a d'autres enfants indiens sont venus, et puis après des programmes télévisés. Et puis, il y avait, par exemple, le personnage de Apu sur la télévision. Et les enfants se rendaient compte que, ah oui, ta mère parlait comme ça. Donc, les éducateurs, dans la récré, des choses qui se passent, ça peut faire partie des dialogues. Comment lutter contre le manque de respect dans la récréation. Parce que tous les immigrants ont fait... de l'Amérique, toutes ces personnalités, tous ces immigrants qui ont prêté leur réussite au pays. Donc, un autre facteur, c'est bien sûr la nourriture. Par exemple, si on était en direct, j'aurais pu goûter à toutes ces nourritures différentes et l'ISBE aurait payé la facture.
mais à cause de Zoom et de la COVID, c'est pas possible. Mais la nourriture joue un rôle essentiel. Mais quand j'étais jeune, les épices indiens n'étaient pas de coutume. Donc quand j'ouvrais mon sac à l'heure du déjeuner, que ma mère avait préparé pour moi, je disais, les autres me demandaient, pourquoi est-ce que le poulet que tu manges est rouge, est-ce que c'est du sang? Non. Et parfois ils goûtaient, ils disaient, waouh, c'est vraiment, c'est tellement aromatique, c'est tellement bon. Est-ce qu'il y a un restaurant? On voulait savoir s'il y avait, on pouvait goûter à cette nourriture savoureuse dans des restaurants indiens. Et l'accent, les costumes, c'est la nuit. Donc c'était des activités qu'on menait parascolaires, internationales, où on se rendait compte de comment célébrer ces différences en tant qu'école. Et vous, en tant qu'enseignant, il faut que vous le compreniez. Et vous, les parents, comprendre l'importance de ce qui vous appartient. Donc, les coutumes, les manières de se comporter quand ils sont mieux compris, c'est quand vous parlez de votre culture, quand vous venez parler avec les écoles et vous devenez une ressource pour les écoles. Tout comme l'école est une ressource pour vous, pour les crédits bilingues. Dans votre état, vous pouvez être un intervenant, un représentant de votre culture, de votre communauté. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. Beaucoup d'écoles vont comprendre. Peut-être que vous avez eu une mauvaise interaction, mais il ne faut pas que ça vous arrête. Il y aura d'autres enseignants, d'autres individus, d'autres administrateurs, d'autres parents qui sont passés par la même chose et qui, eux, sont passés par cet inconfort. Donc, c'est parfois à vous de prendre cette première initiative. Et je vous garantis, si vous le faites, vous allez non seulement être donné un plus à votre enfant, mais aux générations d'avenir. Donc, c'est très important d'être fier de votre communauté, de votre culture et d'être en communication avec les écoles, d'avoir cette interaction. Mais il faut aussi comprendre la perspective de l'école. Il faut que vous vous rendez compte que ceci joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que les enfants sont sur leur ordinateur, ils regardent les médias. Bien sûr, il y a des stéréotypes. Bien sûr, il y a ces caractères un peu biaisés. Mais parfois, des gens dans des rôles de responsabilité ont fait des choses qui sont, disons, pas tout à fait savoureuses. Mais le plus qu'on partage nos histoires, nos origines, et qu'on ne cède pas la place aux médias, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, même par le passé, il y avait des émissions à la télévision qui étaient, disons, peu respectueux, désobligeant envers les groupes ethniques. Donc, quand vous faites cette formation à l'école, cette formation, c'est pour que les parents et les enseignants comprennent ces différences. Parfois, il y a des choses qui passent sur les actualités qui peuvent avoir un impact sur votre enfant. Je me rappelle, lors de la guerre du Golfe Persique dans les années 90, j'ai été le premier joueur de basketball dans l'équipe, j'étais capitaine de l'équipe dans mon école. Et je me souviens, je suis allé dans une école où chaque fois que j'allais faire un but, on chantait USA, USA. Donc, ça peut jouer un grand rôle, ça peut être triste. C'est pour ça que les éducateurs, les administrateurs doivent se familiariser avec ce qui se passe dans le monde et l'impact potentiel sur nos enfants. Ou vous, parents, les parents, si vous savez qu'il y a un impact dans votre communauté, peut-être partagez ces connaissances avec votre école. Ça peut être une question de confession, ça peut être un aspect culturel, ça peut être quelque chose qui se passe dans le monde qui a un impact sur vos enfants. C'est des choses que vous devez garder en tête. Et le plus qu'on construit ces ponts, le plus que cette réalité se fera réelle. Donc, on arrive aux 45 minutes, donc il faut que je finisse. Donc, il y a des réfugiés, ils ont besoin de soutien, nous aussi. Les centres culturels doivent assurer vous qu'ils aient un lien avec vos districts scolaires. Et donc, pour terminer, je veux parler de la religion, de la confession. Partagez les pratiques religieuses avec les autres. Et puis, vous, en tant qu'individu, les enseignants,
Vous pouvez compatir, vous pouvez vous connecter, vous pouvez soutenir, vous pouvez les inspirer et vous pouvez aussi orienter les élèves et les scolaires aussi. Donc, ça joue un grand rôle et quand quelqu'un accepte, quand quelqu'un vous met en connexion avec une autre personne, ça va non seulement changer une seule personne, mais toute une, les espoirs et la vie de toute une génération. La deuxième partie dont il faut être conscient, je dois terminer en 3 minutes, c'est l'implication dans les sports, dans les clubs, dans les activités parascolaires. C'est important, bien sûr, la réussite scolaire, mais ce sentiment d'appartenance est très important. Pour moi, les sports ont été très importants pour construire ma confiance, parce que les sports ont mis le terrain de jeu. Donc, j'étudiais, bien sûr, ça m'aidait dans mes études, en fait, mais le club d'échecs, que ce soit. Donc, impliquer les enfants dans les activités parascolaires. La programmation, la nuit internationale, une fête particulière. Vous, les parents, devez être la source d'information pour votre école. Quand j'étais jeune, non seulement, si ce n'était pas pour les enseignants ou ma mère qui faisait ce travail de plaidoyer et de communication, qui m'ont donné confiance, c'était très important. Donc, une ressource pour l'école élémentaire, le programme bilingue, que Dieu vous aide pour cet excellent travail, pour le succès, l'avenir de nos enfants. Nous prenons toutes ces initiatives, non seulement pour nos propres enfants, mais pour tous les enfants, parce que nous sommes une communauté, un seul pays, réunis. Donc, je vous remercie pour cette magnifique opportunité et puis pour cet environnement qui soutient la diversité. Et donc, que vous faisiez partie de ce changement. Donc, pour l'ISBE, le centre de ressources de Illinois, pour tous les parents, pour tous les administrateurs, toutes les écoles. Et je dois remercier les interprètes. Je demande pardon si je suis allé un peu trop vite. Merci beaucoup d'avoir communiqué mon message au public. Vous êtes génial. Continuez cet excellent travail et continuons de travailler ensemble. On va passer un été magnifique, une année scolaire magnifique. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Quadri. Ton message était extraordinaire. J'ai regardé le chat et il y a tellement de commentaires positifs à multiples langues. Tes commentaires ont inspiré nos parents. Donc, mesdames, messieurs, il y a le même document que vous avez reçu le lien pour la prochaine session. Si vous avez besoin d'assistance technique, cette pièce-ci demeurait ouverte jusqu'à 1 heure avec les gens qui peuvent vous aider à vous rendre où vous avez besoin d'aller pour la... Merci, M. Quadri. Merci, Chairman, Président Riesberg. Et merci à tout le monde pour vos paroles et passez un bon sommet. Merci, tout le monde. Hello, everybody. Make sure that you...